va falloir qu'on mette les bouchées doubles parce qu'il nous reste 3-4 jours. Et puis, en avant. Dernière ligne droite pour la liste L'Avenir, la Corse en commun. Face à une centaine de personnes réunies au Grand Café Napoléon, Jacques Casamarta et ses colistiers martèlent leurs propositions. L'objectif, placer le social et l'environnement au cœur du débat politique. Il y a plus de la moitié des Corses qui vivent dans des situations de galère aujourd'hui, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il y a 66 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 23 000 chômeurs. Il y a des gens qui sont vraiment dans la difficulté. Et nous, on a rencontré des gens et on a rencontré aussi une forme de dynamique parce que les gens, ils disent, il serait temps que ça change. Et pour que ça change, eh bien, il faut peut-être changer le modèle de développement. La coalition composée de communistes et d'insoumis, union désapprouvée par Jean-Luc Mélenchon, se présente aujourd'hui comme la seule liste de gauche en lice pour ces élections territoriales, en totale rupture avec le gouvernement. Aujourd'hui, faire confiance à ceux qui se présentent sous l'étiquette La République en marche, moi j'ai simplement envie de vomir. J'ai pensé que l'essentiel avait été dit. Après, en espérant que ça ait pu convaincre les derniers indécis ou convaincre ceux qui pourraient en convaincre d'autres. C'est une liste, non seulement qui dénonce ce qui ne va pas, hein, mais surtout qui fait des propositions. Des propositions soutenues par Dominique Bouquine, l'ancien président de l'Assemblée de Corse qui fait ses adieux à la vie politique, figure cette fois-ci en dernière position sur la liste L'Avenir, la Corse en commun.